Yo les gars, c'est Jeffrey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de ma carrière joueur, du coup toujours à Venise. C'était super bien passé lors de ce deuxième épisode. On était resté invaincu. On avait fait deux petits nuls, mais bon, c'est pas méchant. On reste second au classement à 4 points de Genoa, toujours invaincu, mais eux, par contre, il n'y a que des victoires, c'est ça. Qui change de nous. On a Brescia en quatrième et après tout se suit avec Cagliari, etc., etc. Donc le programme de cette vidéo, on va le voir maintenant. Mais juste avant, les gars, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, ça ferait super plaisir, et à commenter, hein, ça peut être cool pour l'interaction. Donc on va voir directement le calendrier. Donc ça, c'est les anciens résultats, si vous vous en souvenez plus. Et voici, ok, Perugia, on a également Ternan, on a aussi Brescia, et on a Bari. Après, je sais pas si on va aller jusqu'ici, mais je pense que ces 4 là, on va les faire quasi sûr, parce qu'après, peut-être que 5, ça va faire un peu beaucoup. On va voir, je sais pas encore. En tout cas, qu'est-ce qu'on a d'autres? Le classement des buteurs, on l'avait vu, je suis premier. Ben, rien de fou en activité, on a quoi? Ok. Estimation du revenu. Ah, franchement, ça, je sais pas du tout s'il faut que je le fasse. De toute façon, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça sert de faire ça. Parce que franchement, je m'y connais pas du tout. On va y aller, écoutez les gars. On va simuler jusqu'au match. On joue à l'extérieur, d'accord. Et ils sont combien, Perugia? Bonne question. Où sont-ils? Ok. 19e, ils sont avant-derniers. Donc ils sont vraiment pas les roufs. Seulement deux petits nuls. Est-ce que ils vont nous inquiéter? C'est ce qu'on va voir. Pardon, je sais même pas parler. Ok, en tout cas, ça y est, je me suis imposé comme un titulaire, je pense, dans l'équipe. Donc ça, c'est super, super bien. 5-3-2. Il affectionne particulièrement cette compo, le coach. Et par contre, eux, c'est tout l'inverse. 3-4-1-2, ils sont full attaque. Écoutez, les gars, on va y aller pour ce match. Allez, faut commencer par une victoire. Continuer, parce qu'on a le record de meilleur buteur à battre. Je crois que c'était 38 de mémoire. Ok. Sous le soleil, en plein après-midi, les gars. Il y a du monde. Allez, on est parti pour ce match. Je peux repartir. Ok, Axe, bien joué. Je l'attends en extérieur. Oh là là, magnifique. Premier tir, première action et premier but, les gars. On va célébrer ça tranquillement avec le plus grand des respects. Je me fais siffler, mais en tout cas, magnifique but, on va revoir ça. Il m'a très bien trouvé. Il a esquivé le tacle glissé, et là, je savais qu'en extérieur, ça pouvait faire mouche. Et j'ai bien fait, parce qu'il est parti super bien. 1-0, les gars. Franchement, ça s'annonce bien, ce match. Allez, j'y vais. Le long de la ligne. Je peux y aller avec ma vitesse. La feinte. Le scoop turn, on la décale. Encore, oh là là, magnifique, le deuxième but, incroyable, c'est très bien construit. Je déborde bien longue ligne après le petit scoop turn pour me réorienter, et là, le petit centre à mi-hauteur pour la reprise de volée, incroyable, 2-0 les gars, on est très bien. Faut faire gaffe là-dessus à cette attaque, il a bien trouvé, 2 buts à 1 les gars. Ils ont l'air décidés à revenir au score. Faut faire gaffe parce que, en vrai, en attaque, ils nous inquiètent. Il y a beaucoup de trous dans notre défense, même si on est 5. Non, c'est impossible comment ils passent, mais je comprends pas le marquage du défenseur. Hein. Ok. Fin de cette première mi-temps. On gagne 2-1, les gars, mais attention parce qu'on se fait inquiéter. Défensivement, on n'est pas très très bon. Heureusement qu'offensivement, on a eu ben, deux attaques. Et vous avez vu un deux buts. Donc ça s'est très bien passé. Mais par contre, faut faire gaffe.
On va voir niveau stats, mais ouais, normalement, on a fait 2 tirs, nous, de notre côté. Non, 3 tirs, ok, à 4. Donc, vous voyez que offensivement, ils sont meilleurs. Va falloir faire attention. Allez, la remise. Allez, pas mal. Encore, vas-y. Tu peux la tenter. Oh là là, incroyable. Je m'y attendais pas. Le numéro 6. Bougio, je crois que c'était lui qui avait marqué dans le deuxième épisode. Magnifique. Quelle frappasse de loin. On va se la revoir. En tout cas, il fait du bien parce que là, on commence à se faire peur. Mais ça va mieux. Voilà, il lui décale bien. Et la frappe en dehors de la surface à 20 mètres. Bon, le gardien qui se trouve un peu. Mais en tout cas, tant mieux pour nous. Ok, c'est pour moi. Je la décale. C'est très bien fait. Il va la rejouer. Oh là là, le 2, la barre. Ok, l'action. Oh là là, la frappe qui passe juste à côté. Ok. Il me la met. Je l'enroule. Oh là là. Quel arrêt. Oh, c'est passé. C'est passé avec cette frappe. Et le 3-2. Le 3-2 à 15 minutes de la fin. Tout est relancé, les gars, encore une fois. On doit le mettre, nous. Mais là, on fout rien du tout en attaque. On n'a vraiment pas beaucoup d'occasions. Et eux, dès qu'ils en ont une, ils la mettent. Attention. On se le prend pas, on se le prend pas. Attention à la frappe lointaine. Et le gardien qui nous sauve. Quel arrêt fantastique. Heureusement. Allez, il reste 2 minutes. Il faut tenir. Attention sur ce corner. Ok, ça vient vers moi. Je prends pas de risque, je dégage, mais ça arrive sur quelqu'un, faut faire gaffe. Il est passé. Ok, c'est bon. Bien contré. Allez, bien. Super. Ok, je gagne la touche. J'ai fait un petit peu de gris-gris, mais j'avais confiance. Je savais que j'allais pas la perdre. Ok. Dans l'axe. Bien. Ok. Je la décale encore. Tu peux me la remettre? Je la prends en extérieur. Oh là 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 là. J'aurais dû la prendre normale. Je me suis enflammé sur cette dernière action. En tout cas, ça nous a évité une contre-attaque qui aurait pu être fatale. On s'en sort avec la victoire. Ça aurait été compliqué finalement. Pourtant, c'était vraiment pas la meilleure équipe qu'on ait affrontée. Mais en tout cas, on a gagné, c'est l'essentiel. Un but pour moi. Et l'autre buteur, Tcherichev, un but, une passe D. Donc c'est pas mal, on est tous les deux décisifs. On va voir, est-ce que ça a bougé au classement? Est-ce que Génoa a enfin perdu? En tout cas, je suis homme du match, franchement, je me le serais pas donné. Mais tant mieux, on va pas cracher dessus encore une fois. Au niveau du classement, ok. Ah, ils ont perdu, Génoa. On les recolle d'un point. Ok. On a 17 points, ils en ont 18. Donc ça, c'est très très bien. Ils ont perdu contre qui pour voir? Est-ce qu'on peut voir? Est-ce que c'est fin septembre? Je sais pas du tout. On va voir ça vite fait, les gars. Ok, ouais, ils ont perdu contre Cagliari. Ah ouais, mais en même temps, ils sont troisième Cagliari, du coup. Franchement, là, c'est le top 3. Ça va être compliqué. Ça va jouer entre nous trois, j'espère, à la fin de la saison. Ok, il faut que j'aille m'entraîner pour pouvoir être sur la feuille de match. On va aller faire ça directement. Là, qu'on simule. On se prend pas la tête. Voilà, ça c'est fait. On va également mettre les points de compétence. On va juste voir les activités. Décision. Halloween. Fête d'équipe pour Halloween. Vente de charité pour Halloween. Faire de la muscu pour Halloween. Voilà, on va aller se faire plaisir. Une petite fête d'équipe, tranquille. Attendez, mais comment ça? Participer à la fête organisée par l'équipe, c'est pas solitaire, c'est bien pour eux, non? Je sais pas. Pourquoi je peux pas le faire? Pourquoi je peux pas choisir? Ah, c'est dans 13 jours, pardon, j'avais pas vu, ok. Ok, c'est vraiment genre pour Halloween dans le jeu, quoi. Écoutez, on va mettre les points de compétence et je pense qu'on va s'attaquer au prochain match. Tac. On va se mettre l'archétype. Ah non, il coûte 5, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On va aller dans les tirs un petit peu. Ça améliorerait tout ça, notamment les tirs de loin, on va mettre.
On va même en mettre un deuxième et on va se mettre une bonne question. Je sais pas. Je sais pas trop. Ouais. Conduite de balle ou dribble. Ouais, voilà, contrôle du ballon, parfait. Voilà. Ça c'est fait. 78 de général. Je sais même pas de combien on est parti. Normalement, je pense 75. Ok. Le classement, on est bon, on a vu. Et du coup, là, on affronte Ternania. Ok. Mais du coup, ils sont dans les premiers, eux. Enfin, Ternana, pardon, pas Nania. Ouais, quatrième. Ok. Là, ça va être une très belle rencontre, je pense. Qu'il peut y avoir des surprises. En tout cas, je suis titulaire. Ça s'annonce plutôt bien. On va juste voir côté info, les gars. Est-ce qu'on a la nouveauté? Ok. Nantes élu joueur du mois. Est-ce que j'étais parmi les quatre joueurs? Ouais, j'y étais. Franchement, en tant que remplaçant, c'est vraiment pas mal ce que j'ai fait. Mais malheureusement, j'y suis pas. Venise est confirmé. Svoboda est absent 4 mois. Putain. Oh. C'est fou. Je sais même pas s'il était titulaire, mais je pense, hein, s'ils le mettent comme ça en info mondiale, enfin club. Je sais pas. À voir. En tout cas, il va falloir faire sans lui. On est bien obligé. Pour affronter cette équipe de Ternana avec pareil une compo très offensive de leur côté 3-4-1-2, c'est tout ou rien, j'ai l'impression. C'est ribé ou c'est full attaque ou alors c'est full défense. Bonjour à tous. On va voir un petit peu. Allez, on a domicile, faut faire plaisir aux supporters. Attention, la première frappe du match, c'est dans les gants du gardien. Ok, cette fois je peux y aller long de ligne, il y a la place. Il y a la place. Allez, je pousse cette balle. J'y vais. Ok. Je perds pas. Je la mets en retrait. La frappe une touche. Putain, il aurait peut-être pu la contrôler. Ou faire mieux. Dommage, c'était une belle course de ma part. La petite talonnade. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas la frappe? Oh, quelle horreur. Oh. Bien joué. La récupération. Je dois pas me rater. Oh non, je l'attends à terre. J'aurais dû envoyer un missile. Franchement, quelle erreur. Regardez ça. Qu'est-ce que je fais? Mais pourquoi je tire pas fort? Allez, faut que je me rattrape. Les corners toujours aussi bizarres. Allez. Oh, elle est pas mal sur ma tête! Putain, qu'est-ce qui sort le défenseur? Ok, pas mal. Dans l'axe. Là, par contre, je tire fort! Oh là là, ça aurait été mieux du droit. Mais en tout cas, c'est mieux. Allez. Ok. Je la tente! Oh là là, quel arrêt! Allez, encore pour moi. Vas-y, envoie. Envoie la sauce. Non, ok, allez, tout sauf pour moi, celle-là. Allez, faut dégager. Ok. 0-0 à la fin de cette première période, les gars. Franchement, c'est serré, mais on a repris l'avantage à partir de la 20e minute sur eux, je dirais. Et malheureusement, j'ai eu deux face-à-face, je les ai ratés. Donc, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Je pense qu'on domine. On va voir ça. Détail du match. 12 tirs à 1, ouais, voilà. Franchement, à part leur première action, ils ont rien fait de fou. À chaque fois, ils sont devant les cages, mais ils tirent pas. Par contre, nous, va vraiment falloir se réveiller parce que c'est pas possible de tirer autant et de pas marquer. Oh là là, regardez le bug, les gars, c'est pas possible. Putain, mais ce bug, c'est fou. L'année dernière, il y était déjà. Ils l'ont. C'est pour ça que FIFA, des fois, c'est incompréhensible. Comment tu peux pas régler ce genre de bug? J'espère que quand la balle va sortir, ça va se régler, mais je pense que c'est fou. Allez. Allez. Je vois rien, putain, mais je suis passé. Je suis passé. Je l'attends. Oh là là. De ce côté-là, normalement, je les mets souvent. C'est pour ça que je l'ai tenté. Allez. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Putain, il me l'a mis très tôt. C'est pas grave, j'y vais. Longue ligne. Allez, en poussant la balle. Je suis obligé de feinter, je vais pas passer. Je peux peut-être revenir.
Je peux peut-être la tenter! Putain, non. J'ai abusé, il faut marquer, il faut marquer. Mais attention à pas se faire avoir à notre propre jeu. Oh non, la frappe. Oh là là, on l'encaisse. On l'encaisse, on l'a pas mis. C'est très, très mérité et très normal de se prendre ce but. On doit mettre je ne sais pas combien, mais on les met pas. Moi surtout. Et du coup, on encaisse. Aïe aïe aïe. Et ouais, il vient de se mettre ultra offensif en plus le coach, mais je pense qu'il a pas choisi le meilleur des moments. 72e, le bug est toujours là, c'est vraiment chiant, on va pas se mentir. Ok, la reprise, oh qu'elle était belle. Dommage. Ok. Je la décale côté. Pourquoi pas un centre? J'y suis. Oh là là. Faut le mettre. Allez, allez. Au premier poteau. Oui. Bien joué. Le premier poteau. C'est leur kiff. On comprend pourquoi. Avec ce but, ça paye enfin. Heureusement, ils nous sauvent. Je sais pas si c'est un défenseur, mais en tout cas, nous les attaquants, on n'arrive pas à marquer. Il a dû s'en charger lui. Putain, le défenseur qui s'est éclaté contre le poteau. Grosse force à lui, regardez ça. On va le revoir. Avec le bug en fond, c'est pas beau cette image. Ah, oh, il s'est éclaté le genou. Tant mieux pour lui. Enfin non, quand même, mais bon. Ouais, tant mieux, tant mieux. Allez, il reste 5 minutes avec un bug pour pouvoir essayer de marquer. Ah, oh, mais faut tenter, les gars. Qu'est-ce qu'on fout à revenir derrière? Ah, oh, dommage. Putain, match nul. J'ai vraiment pas été bon devant les cages. Pourtant, j'ai eu des occasions. À mon avis, les tirs qu'on a dû faire, on doit être au moins à 15-16. On va voir ça. 7-3 de notes, c'est vraiment pas ouf. 17 tirs à 2. Et on arrive à faire match nul. C'est n'importe quoi. Ok. Genoa qui a fait le nul également. J'espère que Cagliari n'a pas gagné. Parce qu'il nous reculerait vraiment très très près. On va voir ça. Classement. Ok, on est toujours second. Mais ouais, par contre, ils ont gagné Cagliari, c'est sûr. Ils sont qu'à un point de nous. Donc là, c'est 17, 18, 19. On se suit tous d'un point. Franchement, c'est beau et c'est chaud. On va voir un petit peu qui on va affronter pour ce prochain match. C'est qui se pèse? Non, Brest. Ok. Ils sont combien au classement? Dixième. Ok. Écoutez les gars, je pense qu'on va y aller directement. Merde, je me suis pas. J'ai oublié de m'entraîner. Du coup, je suis remplaçant. Bon, c'est pas grave. On va le jouer en tant que remplaçant ce match. On rentre à la 63e, donc ça va. On y va, les gars, pour ce match. On rentre à la 63e face à Brescia. Et il y a 0-0. Donc, à nous de débloquer la situation. Oula, il y a déjà un gros coup franc pour eux. Faut pas se trouer. Ok, il a mes premiers poteaux. C'est bon, j'y suis. Ça peut revenir. C'est bon, je l'ai encore. Je me suis improvisé les défenseurs là-dessus. Allez, j'ai. Je la tente à l'opposé. Quel arrêt de fou. Pourquoi pas sur le corner? Je suis tout seul point de péno. Ok, ça m'atterrit dessus. C'est parfait. Mon premier but de la tête. Je viens débloquer le match. Quoi de mieux? Oh là là, il fait chute. Franchement, là, les gars, c'est pas moi. Par contre, il a fait tout seul. Il est insolent. Putain, devant tous les supporters. Je pense qu'ils vont pas être ravis. En tout cas, quel corner. Ça m'arrive déposé sur la tête. Et j'envoie un petit colis à l'opposé. Incroyable. 1-0, les gars, donc super. Pas longtemps après notre entrée. Je m'appuie tranquille, c'est bien. Je gagne mes duels de la tête. C'est ce qu'il faut dans ce genre de match. Oula. Oh non, je l'ai blessé. Oh putain, désolé mon frère, mais là, fallait pas venir jouer avec avec plus fort que toi. Tu t'es frotté à beaucoup plus fort et t'en payes le prix. Désolé pour toi. Putain, on va revoir ce duel.
Comment il se fait mal? Vas-y, explique-moi un peu. Je sais même pas où il se fait mal. En tout cas, il a mal. Ben, bon rétablissement à toi. Et maintenant, tu sauras qu'il faut pas venir embêter les grands. Reste sur ton terrain, mon gars. Attention, faut bien défendre. Il a trouvé. Oh là 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 là, ça passe vraiment. Alors vraiment très près. Bien joué. Allez, j'avance. Putain, j'ai perdu ce ballon. J'ai perdu ce ballon. Et je vais m'en vouloir si on se le prend. Oh, je vais m'en vouloir si je le prends. La perte de balle à 5 minutes de la fin. Au lieu de jouer simple, je me suis complètement compliqué la vie. Et j'en paye le prix fort. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est ma faute, putain. Putain, mais qu'est-ce que je suis bête. Pourquoi je la lâche pas 10 minutes avant? Bon, la défense, ils font rien, mais... Ouais, c'est quand même ma faute. Et on l'encaisse, putain. Ah là 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 là, je m'en voudrais un si on le perd. Il reste 3 minutes. Oh non, il manquerait plus qu'on l'encaisse le second. Non. Non. Oh la catastrophe. Oh la catastrophe. On en encaisse deux. Putain, c'est pas vrai. Putain, notre première défaite. Ah, c'est ma faute complet, mais alors complet. Oh, je suis dégoûté. Putain. Oh, comme j'ai joué avec le feu. Et je me suis, là, c'est même pas brûlé. J'ai fait un sale tour arrière dans le volcan. Putain, c'est fou. Oh, je suis dégoûté. Oh là là. Mais putain. Si je fais ce genre de performance après avoir marqué un but, à chaque fois on va pas aller loin. Cagliari qui a gagné, il nous passe devant. Et là, je peux avoir le trophée du plus nul du match. On est du coup troisième à 2 points de Cagliari et Genoa. Genoa qui a fait match nul de leur côté. Mais là vraiment, j'ai pas assuré. On va aller s'entraîner parce que je pense qu'il n'y a que ça pour pouvoir se consoler, on va dire. Niveau 7, on a des points de compétence, c'est pas mal. Va falloir passer au-dessus de ça au prochain match. Mais dommage de perdre celui-là, hein, franchement. On va du coup mettre les points de compétence juste ici. Tac. L'étoile de geste technique, la quatrième. Voilà. Et bien voilà, ça coûtait 3 points. Ok. Ben les gars, on va y aller pour ce dernier match de la vidéo. On va du coup affronter qui est-ce? Barry. Ok, Barry qui est. On va voir ça au classement. Dixième. Ok. On y va, on est titulaire pour ce dernier match de la vidéo, les gars. Je dois me rattraper. Je vais essayer de faire mon plus beau match. Je le dois aux supporters. Et je vous le dois à vous. Allez, on se concentre. Est-ce qu'on est à domicile? Non. Putain, ils ont un magnifique stade. Hein. Allez, le bel appel en profondeur, je l'ai très bien servi. C'est bien fait, allez. J'y suis long de ligne si tu veux. En retrait, t'es seul, décale encore et fini. Magnifique, on peut pas mieux faire, je vais même retirer. Putain, quelle insolence. Et voilà le petit cœur de Cheryshev, si je me trompe pas, c'est lui, hein, j'espère. Ce serait con. Ok, c'est pas lui. Andersen. Bien joué, Andersen. Très bien fait. Là, bon boulot de tout le monde. Et la finition. Mais là, je sais pas si on peut faire mieux. Hein. Franchement, elle est imparable. On y va. On continue. C'est bien ce qu'on fait en défense. Faut continuer. Pas de trou. Pas de trou. Oh là là, il y en a eu un. Mais le gardien, lui, il est là. C'est le plus important. Ok, il a joué à 2. Il a joué à 2, faut aller défendre. Là-dessus, il m'a bien passé. La frappe et quel arrêt. Encore une fois, du gardien qui se détend bien. Allez. Ok, il a rejoué à 2. Putain, c'est pas possible. Est-ce qu'il va la centrer cette fois? Il la met en retrait. C'est passé, non, c'est bon. Ok, les gars, fin de la première mi-temps. 1-0, il n'y a pas vraiment d'action dans ce match. En tout cas, pas d'action franche. En tout cas, on mène, c'est le plus important. Mais il faut vraiment mettre ce deuxième pour être à l'abri parce qu'on a vu que
on n'est pas capable de tenir avec un seul but d'avance. La frappe lointaine. Heureusement que le gardien est là, vraiment. Ah, il va la frapper. Bien. Ah, ça joue bien, une touche de balle. C'est ce qu'on aime. Allez, magnifique cette passe. La fin de frappe. Je me remets sur le pied droit. Et le but. Enfin, une action dans ce match. Enfin, je reçois un ballon. Et surtout, un bon ballon. Et j'arrive à finir. Oh là là, franchement, les gars, c'était abusé. J'avais pas un ballon dans les pieds. Et là, magnifique, sans profondeur. Je demandais pas mieux. Fin de frappe. Je me réoriente. Et après, l'enroulé du droit. Incroyable. Elle passe bien. Bon, le gardien, pareil aux fraises, mais en tout cas, ça passe, c'est le plus important. Allez, ça va se finir là-dessus. Magnifique. On finit par une victoire, heureusement, parce que j'étais resté sur ma faim avec le match d'avant. Avec cette paire de balles qui avait coûté la défaite. En tout cas, là, on gagne. 2-0 en plus. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça a changé au classement, pardon. Et surtout, est-ce que Genoa ou Cagliari ont perdu? C'est une bonne question. J'ai pas l'impression qu'ils aient joué en même temps que nous. On va voir ça. Alors, classement. Ok, on est premier, mais on a un match d'avance. Il faudrait qu'ils fassent nul pour qu'on reste devant. Est-ce que ça va être possible? Je sais pas. On va déjà s'entraîner. Entraînement, c'est dans l'accueil. Et on va simuler jusqu'au prochain match. Ah non, ok, on peut pas s'entraîner. Bon, on va juste simuler jusqu'au prochain match, les gars. Et nous, on s'arrête ici. Est-ce qu'ils ont joué entre-temps? Ok, ils ont joué les deux. Et ils ont gagné les deux. Bon, au moins, c'est clair. Ça risque d'être compliqué. Et très serré, cette série B. En tout cas, restez branchés pour pouvoir être au courant de ce qui va se passer. En termes de meilleur buteur, les gars, je suis toujours premier. Avec 9 buts en 10 matchs. Donc, c'est pas mal. Mais je me dois de faire mieux. Ok. Mais on va s'arrêter là-dessus les gars. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker si cette série vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que je devrais changer. Pas changer. Hein. C'est à vous de me dire. Ça peut m'aider. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous. Et à la prochaine.